Roi d'Alfred Jarry est mise en scène par Gilbert Barba. Les compagnies La Pierre Blanche et Courant d'Air ont remplacé les marionnettes prévues par Jarry pour jouer sa pièce. Costumes, masques et décors sont utilisés pour souligner le côté clownesque de la mise en scène. La musique souligne parfois avec nostalgie et des relents d'air militaire martelés sur les steel drums. C'est un divertissement total et complètement décoiffant, avec un brin de paillardise. Merde. Éructe le père Hubou. Et nous voilà devant un monstre de bêtises, de cruauté et de cynisme. On est dans l'univers du Burois, véritable parodie d'une tragédie. Jarry situe l'action dans une Pologne d'opérette, c'est-à-dire nulle part ou partout. L'élimination des adversaires l'oblige à déclarer la guerre au tsar et à la Russie. Il s'enlise dans une guerre, aussi rapide que violente, dont il sortira vaincu mais vivant. Contraint à l'exil, il choisira la France, où il est sûr de devenir le maître des finances. Il ne regrette rien de sa déconfiture. Tous les critiques ont vu dans Père Ubu et sa femme une référence à Macbeth et Lady Macbeth. Mais bien plus près de nous, il y a le couple Ceausescu et Laurent Gbagbo et sa femme Simone, appelées dames de fer, qui ne veulent pas lâcher le pouvoir acquis démocratiquement. Encore plus près, Ben Ali en fuite avec sa femme Leïla, la régente déchue de Carthage. Une forme théâtrale originale à découvrir le 15 mars 2013, à la Maison de Pays de Niance.